Bonjour, Wella. Tout le personnel direction départementale là, sensibilisé par rapport à la question. Nous avons deux docteurs, docteur Grandpierre, que nous avons kidnappé depuis près de 15 jours. Nous avons docteur Samson, depuis 8 jours que nous avons kidnappé, nous n'avons jamais de nouvelles. C'est deux mondes qui font toute vie à la population en service, à la soins de santé. Probablement, les gens qui kidnappent, ils ne sont pas contre qui les sauver. Nous demandons de libérer deux docteurs sans condition. Parce que nous avons besoin de docteurs pour nous faire la population en service. Tout le monde n'est pas découragé pour courir de pays. Il faut qu'il y ait des gens qui nous faire la population en service. Je dis à l'activité, ça, c'est une activité qui a fait dans 10 directions départementales. Pour nous demander la libération de deux docteurs pour qu'ils puissent rejoindre la famille. Il y a des gens qui ont la santé déjà pas bon déjà. Gagner famille qui mourir déjà. Nous demandons tant pris souple pour libérer tout de suite sans condition pour la jeune famille pour continuer de travailler avec la population en service. J'ai été habitué à faire. Qui est le docteur Sao travail? Tous les deux docteurs Sao étaient Port-au-Prince. Le docteur Renaud Grandpierre, c'est le responsable de santé famille pour le département, pour tout le pays. Nous avons le docteur Samson, c'est le directeur épidémiologie, laboratoire de recherche dans Port-au-Prince, qui reprend depuis 8 jours, qui est malade, qui même dit blessé, même état de santé pas bon. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dans qui est arrivé. Et ça fait nous demander de libérer les gens sans condition, parce que c'est des gens, ce n'est pas l'argent qu'on gagne. Docteur, infirmier, ce n'est pas l'argent. Personnel de santé, parce qu'ils font pas qu'être l'argent. Ils sont sacerdotes. Ils apprennent le métier ça pour servir l'autre monde, pour servir la population. Nous prions nous grâce, les gens qui ont des gens pour les libérer sans condition, pour être capable de jouer une famille, pour être capable de continuer à faire la population en service. Oui, Jean-Noël réunis là, nous sommes personnels de santé réunis. Donc c'est un souci pour nous demander libération de deux docteurs qui ont kidnappé, qui sont le docteur Samson Marseille, qui est le directeur laboratoire et de laboratoire de recherche, côté que depuis 8 jours, et aux yeux et dire. Personnel de santé a prié parce que nous n'avons pas de nouvelles. Il y a un docteur Grandpierre Renault aussi qui a kidnappé. Donc, je dis à nous réunir devant et DSS à côté que nous avons demandé libération sans condition pour nous, j'en dis que la sortie là. Côté que nous-mêmes nous occupons l'arrière et nous avons un message. Côté que nous demandons pour libérer Mounsao, côté que nous ne pas libérer yo. Que nous avons toujours occupé l'arrière, nous avons toujours revendiqué parce que c'est des gens qui ont fait service. Et dans le pays, qui n'a pas choisi. Quitter le pays pour aller dans le pays étranger, mais qui c'est des héros qui choisissent de rester dans le pays malgré l'insécurité. Je dis à nous réunir là, dans nos hauts et dans nos directions sanitaires sud pour nous demander libération et de docteur Sayo. Nous demandons de libération sans condition. Et nous avons un message pour tout le pays. Et si d'autres pays n'ont pas de libération, et nous-mêmes au niveau du département sud, il y a une autre décision qu'à prendre. Parce que après le message, madame docteur Pierre Vinjouen, il est tombé après 8 jours. Et qui kidnappé et docteur. Parce que pour moi, depuis docteur à la main et kidnappé, nous demandons que pour libérer docteur sans condition. Et ce docteur est-il pays? Nous m'a délibéré, Samson. Nous m'a délibéré, Samson.
Nous mandons, nous mandons.